Bonjour Arnaud. Oh la vache. Bonsoir, c'est quoi? Enfin, c'est... C'est quoi là? C'est pour une vidéo, t'inquiète. C'est quoi? Il y a l'apéro? C'est l'apéro. Oh, le monde là. Et coucou les amis, c'est Arnaud Padawan et j'espère que vous passez une très belle journée. Comme vous avez vu, la dernière vidéo, c'était juste un truc de malade ce qui s'est passé hier. Voilà, j'ai encore pas les mots. Donc aujourd'hui, on est le 13 juillet, c'est un truc de fou. On va passer une journée encore exceptionnelle. Voilà, je vais essayer de vous retranscrire ça toute la journée en vidéo. Je sais même plus le programme tellement il est énorme, les amis. Là, on est à l'hôtel NH comme hier. Donc regardez, c'est juste magnifique. On est dans un cadre vraiment 4 étoiles, c'est un hôtel de fou. Il y a à peu près 200 et quelques personnes pour la journée Retour vers le futur. On va être gâtés, je pense. Hier, c'était exceptionnel. J'ai vécu des moments magnifiques. C'était juste un truc de fou, les amis. Encore un grand merci à Christophe et à Jérôme de nous avoir fait vivre tous ces moments. Je suis le premier, je pense. Il n'y a pas grand monde. On va voir si c'est là aujourd'hui encore. Il y a le taxi dehors. Allez, venez, on va voir ça tranquillement. Coucou Valentin. Ça va? Ça va? Bon, les amis, là, on va récupérer le Graal, c'est-à-dire un petit bracelet en or. C'est le Pass Gold. Il donne accès en VIP à toutes les dédicaces. Je vais le récupérer de suite. Et la journée va pouvoir commencer. Oh Arnaud, tu arrêtes de filmer tout, hein. T'inquiète, je vais te faire une belle vidéo. Je sais. Hello Michael. Hello, how are you? Fine and you? Nice to see you. Ça y est, on a récupéré nos passes. La journée peut commencer. On va boire un petit café histoire de se mettre en forme, les amis. Et sous le soleil. Je suis avec Marty en plus, j'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Et après, on va faire un petit tour aux voitures dehors. Ouais. Et ben voilà, on va commencer comme ça. Allez, à tout de suite. Le vrai taxi du film, il est là. C'est pas une réplique là, c'est le vrai. C'est juste un truc de malade, voilà. On a le privilège d'être à côté du taxi. Regardez, hop, premier contact, il est là. C'est vraiment une pièce de musée. Voilà, pour tous les fans de Retour vers le futur, ce taxi, il représente tellement de choses. Juste derrière, il y a la DeLorean de Jérôme. Bon, le taxi aussi appartient à Jérôme. Donc voilà, c'est l'heureux propriétaire de ce taxi, de la DeLorean. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, comme vous pouvez le voir. Tellement fier d'être juste à côté de cette pièce. Regardez, c'est pas très beau ça. C'est magnifique. Regardez le cadre exceptionnel. Eh bien écoutez, on va commencer cette super journée de Retour vers le futur avec mon ami Michael Schiff, qui est un grand monsieur et qui a été le designer de ces voitures, qui a créé la DeLorean, qui a créé le taxi. Eh bien alors on y va, Michael, c'est à toi. Merci. On essaie de parler en français. Il parle super bien le français. C'est inouï. C'est inouï de voir les trois voitures ici à Marseille. Et vous aussi, c'est comme un rêve. Et merci, merci à vous. Merci à toi, merci Michael. On te retrouve là-haut, je t'inquiète. Tu as des esquisses, tu vas nous montrer des choses. Oui. À tout à l'heure, Michael. Okay, à et merci à toi. Merci. Which one had the fastest DeLorean in the world? Funny you should ask. My car broke down. Okay. It's as simple as that. Maintenant, il peut te donner une réponse un peu plus complète. Truly, 4 months after the race,
the car exploded on the side of the road. 4 mois après la course, la voiture a tout simplement explosé sur le côté de la route. Yeah. Yeah. Woo. That's what I'm talking about right here. See? Ooh, I wish they worked. J'espérais tellement qu'il fonctionne. Tell us about the back to 2015, exactly. Dis-nous un petit peu plus sur ce court-métrage. Yeah, I would love to do that. For the 30-year anniversary, my partner and I put together the script for this film, but as you know, Robert Zemeckis. Alors, pour les 30 ans en fait, de l'anniversaire de Retour vers le futur, son épouse et lui ont écrit un script, et forcément, ils ont essayé d'avoir l'accord de Robert Zemeckis pour le faire. Et bien évidemment, l'accord de Bob Gale. Who are good friends of mine, qui sont de très bons amis à lui toujours aujourd'hui. So I sent Bob Gale the script. Donc il a envoyé son script à Bob Gale. To get permission to make the film. Car il doit avoir la permission forcément pour voir un film sur la licence Retour vers le futur. And Bob loved the script. Bob a adoré le script. And said, please. Et il a dit, make it for me. C'est parti. So this was made. We made it as a fan film for the supporters. Il faut vraiment voir ça comme une fan fiction. C'est fait pour tous les fans. Oh, Ricky n'aime pas le mot fan d'ailleurs. He don't like the word fan. No, I said supporters. Mais il dit toujours mes supporters. Yeah, I like it. What's the difference between a fan and a supporter? C'est quoi la différence entre un fan et un supporter? I don't think there's any difference. It's just for me. These people support what I do, and that's how I feel about it. Il a l'impression qu'en fait que vous êtes là pour supporter son travail plutôt que d'être fan, et c'est comme ça qu'il le ressent. But fans okay too. Mais les fans sont okay. Ça. All right, so okay, so David, we can start the show. Please enjoy. Premier devient le Back to the 2015. Let's see what's behind door number one. Welcome, oh yeah, I missed it. Oh, did I miss it? Oh, there was something written I missed. Apparemment, il y avait quelque chose d'écrit. Va pas dans mon dossier, you porn, c'est pas... Pause. Alors, ce film est un hommage à la Retour vers le futur et son univers. Et on ne peut pas y aller sans remercier forcément les fans qui ont aimé cette trilogie pour ces 30 dernières années. Et un grand merci à Robert Zemeckis et Bob Gale afin de rendre le voyage dans le temps possible. Oh. Il faut savoir que Ricky, il m'a dit justement pendant qu'on regardait le film, c'est lui qui a fait le script, c'est lui qui a monté le film, c'est lui qui a réalisé tout le film, et ça lui a pris 2 semaines. Donc félicitations, congratulations. Thank you. Ça y est, on va rentrer dans la salle. Les VIP qui sont là, je me rends compte, regardez le mondial, les amis. Allez, c'est un truc de fou, allez, c'est bientôt à moi. Donc là, il va y avoir Lucamet, c'est Céline Monsara en premier. Et à côté, il y a Michael Scheffeux, donc le concepteur de la DeLorean. Et Adam qui a fait le film Faster DeLorean in the World. Donc on va faire dédicacer le petit capot de la Eagle Most que j'ai récupéré. Et voilà, allez, on se retrouve de suite. Pour ma YouTube channel, it's possible. C'est... Yes, Eagle Most. Nice. Where? Thank you. Where you want? I want Michael the other side like you want. Eagle Moss. Thank you so much, Adam. Ça pèse lourd. Ouais, elle est très lourde. Vraiment, j'ai touché et ému par Casimir. Your movie is very great. And the number 2? This fall. September. September? I think it's gonna start with this question about where my brother's body is buried as a good way to open the new one. So I'm editing it right now. Okay. And you, the next DeLorean is for a next worker? No? It's over? Never again? No. I'm done. Okay. I'm done. Thank you so much. No, thank you
so much, Michael. Thank you. Bonjour, c'est lui. Ce serait possible de signer ma fille Bulma? J'ai 37 ans, je fais que la Bulma. Oui. J'ai froid, bisous Bulma. Merci beaucoup, c'est gentil. La chaîne YouTube. Arnaud, hey, regarde, c'est ma fiancée, c'est Lorraine. Bonjour Arnaud. Oh la vache. Ça y est les amis, on a enfin eu les petites dédicaces. Donc là, je vais faire dédicacer mon petit Mister Fusion. Si vous voulez d'ailleurs voir la petite vidéo de comment je l'ai fait, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Voilà, il y a un petit lien qui s'affiche. Donc je vais me faire dédicacer par les quatre acteurs. Voilà, ça va être super cool. Allez, on se retrouve de suite une fois que j'aurai fait la queue. Parce que regardez, il y a pas mal de monde qui attend. Allez, c'est parti. Christophe. Bonsoir, c'est quoi? Ça, c'est... C'est quoi là? C'est pour une vidéo, t'inquiète. C'est quoi? Il y a l'apéro? C'est l'apéro. Le monde là. L'apéro, pastis, l'écart. Okay, you're so good at shirts. You see it? You've got a great shirt. Yeah, I know it. Hello! How are you? Good! Good. 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 I always go to Spanish. Thank you so much. Thank you. This guy is gorgeous. Okay. Thank you, darling. Wait for it. What's going on? Hey, you Bojo? Oh, Mr. Fusion. Mr. Fusion. Mr. Fusion. A lot of garbage, no. Lots of power. Yeah, thank you so much. Don't you love as Goody Wilson? Again, I see you. What do you have now? You have Mr. Fusion. Mr. Fusion. All right. Thank voila. You so much. Voila. Thank you. This is gonna be just for you. Come on, we're signing something. We're signing something. We're signing. Oh, you want it in black, I'm sure. You don't want it in this other color. Oh, yeah. Wow. I have only one. He's really special. Like right here. Here or there. Okay. I will write it right here. Yeah. You are my earth angel. Oh. Aww. Aww. Say it again. Look at the camera. Les amis, ça y est, on a fini les dédicaces. C'était totalement fou. Regardez, il y a Ricky Dean Logan qui va passer juste derrière. Such a bojo. Voilà, c'est ça l'ambiance, voilà, c'est un truc de malade ici, on est en petit comité, on voit les acteurs toute la journée, on est vraiment gâtés, voilà, merci encore aux organisateurs Jérôme et Christophe, merci pour ce cadeau que vous avez fait à tous les fans de Retour au Futur, on vous remercie énormément, voilà, donc là on va avoir une petite conférence, et voilà, la journée continue tout doucement, allez bisous, à tout à l'heure. 6 mois de recherche, fabrication de pièces tout seul, donc voilà. Merci Michael d'avoir trouvé des pièces qui sont bien. Les pièces qu'on a lues qui sont plutôt bien faites aussi. Et du coup, voilà, on s'est lié d'amitié parce qu'on avait la même passion et le même projet. Tout a été monté et tu peux continuer, Jen. C'est un convecteur temporel. It's not a hand spinner, it's a flux capacitor. Yeah. But, c'est cette scène de L'Oréal qui descend du camion. Restera gravé à jamais dans ma mémoire, je pense. Créer le rêve, on va dire, avec les designs. We are making the dream. And faire le rêve. And fucking up the dream. And blowing up the dream. Et bien, on va exploser. Qu'on y est enfin, on est tellement ravis que vous soyez là avant de commencer ce moment qui va être extraordinaire selon moi.
je voulais forcément avoir une petite pensée pour quelqu'un qui est parti cette année. Je voudrais avoir une petite pensée pour notre doc piraté. Christophe et moi, qui sommes à l'origine de ce projet, ça a commencé avec lui. On a eu la chance de pouvoir l'enregistrer. Et c'est comme ça qu'avec Christophe, on a lié d'amitié. Et c'est comme ça qu'on a eu tout ce train de pensée qui a mené aujourd'hui à ce showcase ici à Marseille. Et donc du coup, pour nous, c'était important de lui faire un petit coucou et de lui faire un petit hommage. Alors l'année dernière, quand on avait fait le showcase à Paris, parce qu'on a fait la même chose à Paris l'année dernière, il nous avait enregistré un petit quelque chose. Et en hommage pour lui, j'aimerais que ce soit lui qui ouvre le bal, on va dire. Merci à vous. Non, Zeus, les vainqueurs, bonsoir, c'est Pirate, ou plutôt Emmanuel Brown, le doc. Je comptais être avec vous ce soir, mais de rien, vous faites fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Faites attention à Marcus, il est légèrement court-circuité des implants ioniques. A bientôt dans le futur. Ce soir, les petits amis, on va voir tout de suite notre premier invité en vidéo. En photo, pardon, c'est Luc, la messieurs des canettes. Ça marche. On t'entend bien. Mais comment allez-vous, Marcus? Je suis ravi de vous rencontrer. Cher Marty, tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Merci, j'ai un peu poivre et sel maintenant. Mais oui, ça mais va. Dans la voix, ça ne s'entend pas. Alors la voix, c'est un peu aggravé. quand je le refais, quand ils me demandent que je fasse des trucs, tu sais, sur leur... Ouais, sur la répondeur. Hé, hey, Doc. Tu vois, c'est pas vraiment ma voix. On va accueillir une de tes complices. Ah oui, malheureusement. Film. Ah là là, et on adore. Mesdames et messieurs, Céline Montsarrat. La beauté de Céline. Bienvenue. Ça va? Très bien. Contente de te retrouver. La dernière fois qu'on t'a vu, t'avais le pied dans le plâtre. Non, pas du tout. C'était la jambe. C'était la jambe. Oh là là. Toi, tu fais la voix de la maman de Marty dans le film, Lorraine. Et de sa chérie. Oui. Et sa chérie, bah oui. C'est immense honneur d'avoir une... On choisit pas toujours. C'est une fiancée mère. Voilà. C'est rare. C'est classe. Tu es aussi la voix de Julia Roberts. Oui. C'est quand même pas rien. C'est vrai. Un sexe symbole, c'est juste magnifique. Ça vous fait quoi? Eh bien, c'est vous les amis, on va papoter un petit peu. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Maman, c'est toi? Calme-toi, Marty, tu as dormi presque 2 heures. Quel horrible cauchemar, c'était affreux. C'est fini, il n'y a plus rien à craindre. Nous voilà revenus à notre bon vieux 27e étage. 27e étage? Maman! Maman, c'est pas possible! C'est pas toi! Mais bien sûr que c'est moi, Marty! Tu es sûre que ça va? Ça va, oui, je vais très bien. Ce qu'il y a, c'est que t'es tellement... t'as tellement grossi. Tout va bien, ne t'en fais pas, Marty. Est-ce que tu as faim? Je peux appeler le service d'étage. Le service d'étage? Oh mon Dieu, c'est ton père! Mon père! Oh! C'est peut-être lui, il y a 30 ans. Moi, j'ai trouvé que t'avais une belle voix grave. Ouais. Vous n'avez pas perdu la main, c'est impressionnant ça. On écoute le message de Richard, depuis son île. Bonsoir à tous. Ici, c'est Richard Darbois. Je suis la voix de Biff Tannen, Indiana Jones, entre autres. En fait, je voulais souhaiter à tous les backers ce soir ici présents un excellent film et une très bonne soirée. À bientôt. Banane. Bravo, merci Richard pour le message. Merci Tannen. Merci d'avoir pour le programme, évidemment. La soirée continue, donc on a vu le côté un peu français de Retour vers le futur, on va passer au côté américain, on va accueillir les acteurs qui vont jouer dans Retour vers le futur. On va commencer, le premier qu'on va accueillir, c'est Harry Potter Jr. On va voir
un petit extrait, je crois. C'est tout simplement Marvin Berry. Rien de grand. Putain, mais je suis petit. Oh, un petit bisou de Marvin Berry en personne. That's not the cameras. People have their phones up. Hi. Bonjour à tous. Ça, c'est pour les petits téléphones. Tu peux t'asseoir, Harry. On va accueillir un de tes complices. Are you gonna talk to le me? Maire, Goldie Whitson. Regardez, on va voir une petite vidéo. C'est Donald Fulido qui va nous rejoindre. Mayor Hill Valley, he was worried about traffic. But now, you don't have to worry about traffic. Le maire Goldie Whitson de la Fouillère. Mais il a du gueule à mort, je crois. Il a belle forme. Hello Donald, nice to see you again. Bonjour. Bonjour. Oh, you speak French now. Je sais pas, ils avaient enfant. Comment ça va? Oh, parfait. Et lui aussi. Très bien, merci. Les amis, c'est la première fois qu'ils viennent en France pour une convention Retour vers le futur. Donc on va demander un tonnerre d'applaudissements. On a Darlene Vogel qui va être avec nous, elle fait partie de la bande. Regardez, de l'Afrobeat Femen. Wrong, you're fine. Uh-oh. You got no scrope. Oh! Oh! Darlene Vogel is up to the bank. Hello! Hi, Darlene. It's the first time with us? First time here, and I'm loving it! Yes. On est des fans incroyables. Bonjour, Marie. Alors, last guest tonight. On va le découvrir. Lui aussi fait partie de la bande de l'affreux Bill Tannen. Regarde. Il n'est pas you fuck up. Everybody's dreaming about riding a hoverboard today. You're amongst the two people that did. How did it feel? Feels pretty goddamn good. There are children here. Il y a des enfants ici, attention. I meant it was fantastic. C'était fantastique. De toute façon, Jérôme ne traduit pas les gros mots, donc... C'est pas vrai, putain, c'est n'importe quoi. Oui, that was the favorite part of working. That was our favorite part of working. C'était la meilleure partie du travail, c'était vraiment les scènes des hoverboards. We couldn't wait to get on the hoverboards and start flying around. Yeah. Ils étaient impatients de pouvoir remonter sur les hoverboards et voler partout. Oh, baby boy! Il est habitué, évidemment. Alors, je voulais savoir si, pendant le tournage, il y avait des célibataires, et si, parmi ces célibataires, il y a eu des petites choses qui sont passées. Oh, là, c'est ce qui marche.
Were you single during the shootings? It's a question for all of you. Oh. Were you single during the movie? And do you know if anyone hooked up during the set, during the shooting? I just wanted to pass the mic to Harry. This is not a good pose. Stand over there if you're gonna hand me the mic, right? Never mind. Okay. Wow. Single. So single can be defined many ways. Le célibat peut être défini en différentes versions. Bien sûr. Je pense à quelqu'un tout de suite de maintenant. Because it was 1985. C'était en 1985. Okay, so look. I'm going to change the names to protect the innocent. Je vais changer les noms pour protéger les personnes innocentes. There were certain stars in that movie. Il y avait certaines vedettes dans ce film. I didn't pay enough. J'ai pas payé assez. Darling, were you single? No. Do you realize that you were probably the fantasy of a lot of people around you? Je me demande si elle s'en rend compte qu'elle était un petit peu le fantasme de pas mal d'entre nous. C'est vrai ou pas, les gars? What happens in Hill Valley stays in Hill Valley. Ce qui se passe à Hill Valley reste à Hill Valley. That's incredible. Ricky? What was the question? I'll be honest with you guys, man. Il va être honnête avec nous. We were working way too hard to have any relationship with anything except. Il travaillait beaucoup trop dur pour avoir une relation. Well, he was there too. Well, il était en deuxième. Les amis, on a un message de Bob Gale, carrément, producteur, qui a écrit le scénario de Retour vers le futur. On l'écoute. Hi, I'm Bob Gale, co-creator, co-writer, and co-producer of the Back to the Future trilogy. Welcome to the DeLorean experience. I'm sorry that I can't be here with you. Without my own DeLorean time machine, I'm afraid I can't be in two places at once. But I know you're going to have a fantastic time, thanks to all my good friends here in France. So enjoy the show, and I hope to see you in the future. Awesome. C'est un truc de ouf, donc comme vous avez pu le voir, il y a tous les acteurs de la saga Retour vers le futur, mais il y a quelqu'un en particulier qui ne fait pas partie du cast de Retour vers le futur. C'est grâce à lui, j'ai pas peur de le dire, que je fais ces vidéos sur internet. Et c'est tout simplement mon ami Anto Geek qui est juste à côté de moi. C'est un véritable plaisir de le voir là, voilà, c'est un gros gros fan de Retour vers le futur lui aussi. On va dans l'amphithéâtre et peut-être qu'on s'ouvrira tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Allez. Ladies and gentlemen, welcome in 1985. Are you ready? C'est un livre de Blue Jancy. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre. We'll be right back.
de retrouver moi comme ça. Je pars ça en chèque. Ça va, mon Marcus, merci.
Je vais faire les trucs chiants, je vais faire les remerciements, je suis désolé, mais il faut que je le fasse, c'est super important pour moi. Merci, Donald Fulda. Merci énormément à Ricky D. Merci à Maud qui est juste là-bas, ma soeur. Sans elle, je n'aurais jamais été de retour dans le futur. Merci, ma maman. Merci. Merci, Marie. Merci, Procilia. Merci, Jennifer, nous avoir aidés. Merci. 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 Attends, attends. Je vais faire vite, j'ai plus de batterie. Voilà, il y a pas de mots, il y a pas de, j'ai pas même besoin de beaucoup de parler. On a vécu deux jours incroyables. Voilà, un grand merci à Jérôme et Christophe pour cette soirée, pour ces deux journées de dingue qu'on a vécu. Voilà, on a la banane, il y avait une salle entière avec le sourire. Voilà, merci, merci de nous avoir fait vivre ça, d'avoir amené tous ces acteurs, de nous avoir fait vivre un peu notre enfance et notre passion. Merci pour tout, les amis. J'ai rencontré des gens incroyables pendant ces deux jours. Voilà, c'était vraiment parfait, quoi. J'aurais pas pu rêver mieux. Si vous avez kiffé cette vidéo, et je suis sûr que c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, à mettre un putain de pouce bleu. Explosez-moi ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, pour encore plus de vidéos. Ding comme ça. Donc, moi, sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.